garde. Thank you.
vas au plus de tout. La diva, Hubert, né le 3 novembre 1980. A nommé le grand que vous avez à la je suis né. Oui, monsieur le maire. Donc, nous avons Sakura Ishaï, né le 1er juin. A Chamba, le 22, que vous avez à la République. Comment? Oui, monsieur le et là, vous connaissez les personnes, la famille modifiée par la loi de 2014-019 du 17 novembre 2014. Cette loi régit les obligations des hommes. Par les articles 97, 98, 99, 100, 102 et 100. Article 97. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ça signifie quoi? Communauté de vie. Vous devez être ensemble, vivre ensemble, faire tout ensemble, partager les idées ensemble. Tu veux acheter une voiture, tu dois dire à ta femme, je vais acheter Kia. Tu ne peux pas te lever seul et aller acheter Kia. Tu veux acheter un terrain pour construire. Maman, j'ai trouvé le terrain à Koé. Maman dit, je ne veux pas Koé. Je veux aussi lui. Mais vous partagez, vous êtes d'accord avant de faire. Vous voyez qu'ils sont en réunion. Vous voyez comment c'est beau, si vous entendez, vous vous comprenez. Ils se doivent respect et affection. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Beaucoup de respect. Même votre domestique, si vous ne la respectez pas, elle va vous quitter. Si vous l'utilisez comme le pot de quoi, elle va vous quitter. Et du coup, c'est votre femme. Beaucoup de respect, beaucoup de douceur, beaucoup de patience. D'accord? Du moment où elle a accepté de vous épouser, elle se donne à vous entièrement. Est-ce que vous, Monsieur Dali, est-ce que vous serez fidèle à madame? Il faut dire que Dieu m'aide. Il faut dire que Dieu m'aide. Oui, Dieu m'aide. Oui. Ils se doivent soigner l'assistance. Quand elle est malade, il faut s'occuper d'elle. Si elle a besoin de toi, il faut s'occuper d'elle. Si elle veut s'habiller, il faut s'occuper d'elle. Je vais porter brésilien. Vous l'aidez, c'est cher. 300 euros. Vous les voyez comme ça, elles sont toutes belles. Elles sont chères. Vous habillez, c'est cher. Vous portez les cheveux, c'est cher. Vous portez or jaune. Oh, c'est 200 000. C'est cher. Donc la femme est chère par nature. D'accord? Madame, si vous voulez être ensemble avec ce jeune, gardez là. Vous devez réunir les valeurs. Vous devez être soumise à M. Dali. On a dit que vous avez vous devez être humble. Ma connaissance a donné ma tombe. Comme certaines femmes. Vous savez, nous sommes là pour nous autres. Comment une femme va vouloir passer son mari? Une femme n'a pas passé. Et quand petit n'est pas. Pourquoi? D'accord. Donc, pas de violence. Donc, les valeurs, soumission, humilité, tolérance. Et donc, la religion, et bien, le coucou, il est venu demander pardon. On peut demander pardon à sa femme. On m'a donné ma soeur qui est béni, mais tu ne veux pas dire que moi, je ne veux jamais le pardonner. Dès qu'il est allé, il demande pardon. Si tu l'aimes vraiment, tu dois oublier tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a demandé pardon. Soumission, humilité, tolérance, patience. Je dois une nation. N'écoutez pas, je vois là-bas, je donne papa pour maman. Papa, beaucoup de courage. Tous les jours ne sont pas bien. Il y a des jours, c'est mauvais. Donc, beaucoup de courage. Madame, vous êtes très jeune. Votre mari aussi est jeune. Il a deux valeurs dont je te parle. Vous devez être moins jalouse dans la maison de monsieur Dali. Tu peux. Tu vas être jalouse à l'extrême, non? Non. Vous pouvez être jalouse, mais il faut l'être moins. Il ne faut pas exagérer. Quand vous êtes jalouse à l'extrême, c'est mauvais. Parce que vous serez fâché. Quand on est jaloux, on est fâché. Et quand on est fâché, on peut agir mal avant de savoir qu'on a agi mal.
Vous avez jeté de l'acide dans le visage du monsieur. Il devient aveugle. On vous met en prison pour l'avoir rendu aveugle. Vous avez un enfant 2 ans, il est dehors. Il y a un jalousie. C'est un mauvais caractère. C'est mauvais. Parce que vous êtes nerveux et vous avez agi avant de savoir que c'est mauvais ce que vous avez fait. Il y a une femme qui m'a dit que sa soeur était tellement jalouse. Elle a trouvé une femme chez son mari. Elle a poignardé la femme. Et la femme est morte. Et on a envoyé la femme qui a poignardé en prison 25 ans. Vous voulez être jalouse, vous partez en prison pour 25 ans. La jalousie est un mauvais caractère. Tu as compris? Donc, là, on voit. Il ne faut pas jalouser extrêmement. D'accord? Maintenant, la dernière qualité, la dernière valeur. Vous devez être disponible à votre mari. Votre mari veut se coucher avec toi, veut faire l'amour avec toi le soir, la nuit. Et tu dis que, et jamais tu veux, il y avait une nuit, il y a une nuit. Et ça veut dire qu'il y a une union. Ah, mais ce genre, on a fait sauver Amelan, quoi. Il y a un mot de quoi. On a fait et ça veut dire qu'il y a une union. Et pour le mari, et pour le mari, va les dire. T'es même de quoi, allez. Il nous met les filets. Eh bien, donc je dis, il y a un hasard. On a fait et ça veut dire qu'il y a une union. Toutes les femmes là. Même la plus belle là, qui est là-bas, c'est comme ça que vous faites avec vous. Et comme ça. Il y a un tout. Il y a un tout. Il y a un tout. Et ça, au début. Bon, avant le problème, il y a quoi ça? Il y a quoi du job? On a dit. Il y a un peu, il y a un autre peu comme toi, t'as le boulot. Avec vous, t'as le boulot. Occupe ce monsieur, fatigue-le. C'est ton mari. Fatigue-le. Il y a un peu de mal à dire. Mais tu es jamais raté, moi, une petite collègue. Tiens, nous commettons beaucoup d'erreurs et nous envoyons nos maris dehors sans le savoir. N'y verra, madame. Nous envoyons nos maris dehors sans le savoir. Bon, et bien, après, je viens, mais échanger les fois. Oui, il y a eu, il est calé. Et changer le téléphone pour appeler quoi. Ça commence comme ça. Occupe ce monsieur, fatigue-le. D'accord. Que lui va bien voir les soirées. On doit ne connaît pas l'État. Ni mieux au milieu, alors c'est un même justice. Ni ça mieux au milieu, autant mieux au milieu, alors c'est moins justice. Mais n'allez pas à la justice. Réglez vos problèmes à la diable. Juge-moi nous mien. Juge-moi nous mien. Il ne va pas vous poser rien en rien. Que il est le soleil à droite. Mais il est à l'ouvrier, c'est pourquoi je voudrais féliciter les jeunes. Que prova, tu as encore à l'aider. Et de vous, tu es honoré. Et de vos familles, on dit, Mauraïe, il m'aura dit. Que il va bien voir les soirées. Némidivi, et Vitole, et Méani. Milan, il est bien, il n'y a pas aussi. Mais en un mot là, vous, il y a deux aussi cool. Vous deux. Les époux contractent ensemble. Pas le seul fait du mariage. L'obligation de nourrir, entretenir, élever et instruire leurs enfants. Il faut vivre. Bah, c'est vrai que nous serons là. Adbé. Adjibibo, Adbé, ma corde, Gia. Bah, non, je vous dis. Donc, je vous ai dit d'avoir des valeurs. Soumission, humilité, tolérance, patience, courage, moins jalouse et disponibilité. Oui, allez, valeur ou aïe, vis à vis d'elle. Et vous? Nous, les collègues, nous ne pouvons pas mourir. Vous pouvez le facile, mais elle va venir au ma pas moi. Elle est facile. Vous devez être fidèle à madame. Non, le fidèle, pas une bagarre à nous. Voilà tout rien. Et nous, nous donnons au temps de ma poule, nous disons. Nous, que vraiment, Dieu, pas mal, bon. Donc, fidélité. Et de quoi? Nous ne sommes jamais violents avec madame. Madame a si bien de l'eau. Ne porte jamais la main sur cette belle créature que tu as donnée. Bon, nous, pour nous, nous bien à Romani, nous bien à quoi?
C'est-à-dire qu'on vient à Syrie. C'est aussi de la violence. Donc, tout ce que tu dois faire, il faut que ça soit dans la douceur. D'accord? Donc, ne sois pas violent. Ne sois pas. Sois fidèle. Troisième valeur, ne sois pas avare avec elle. Ne garde-toi à mes coups d'œil. Quatrième valeur, ne mens pas à ta femme. On ne ment pas à sa femme. D'accord? Chef futurs époux, chef futurs époux, veuillez vous lever et répondre à votre dernière fois aux questions qui vous seront posées. Monsieur Dalé, Dadieva, Hubert, mademoiselle Tchakoura, Ishan, quel autre chose c'est vous? La monogamie ou la polygamie? Quand vous avez pour la place pour répondre, monsieur Dalé, Dadieva, Hubert, ici présent. Monsieur le maire. Monsieur Dalé, Dadieva, Hubert. Quand vous avez pour la place pour répondre, mademoiselle Tchakoura, Ishan, ici présent. Oui, monsieur le maire. Nous allons passer à M. Daniel. Approchez-moi. Monsieur, et faites face à vous deux. Faites face à vous deux. Monsieur, prenez la bague de madame. Madame Daniel Amego. Tenez ça, monsieur. Mademoiselle Tchakoura Ishan, à partir d'aujourd'hui et pour toujours, vous êtes devenue madame Dalé Dadieva Hubert, avec tous les avantages liés à un mariage civil. Félicitations. Je vous demande que votre famille prenne la deux mains. Je vous demande que votre famille comporte une autre fille. Cette fille, c'est pour les enfants. À chaque instant, l'enfant, vous allez gratifier l'enfant sur un des pays. Mais ne fabriquez pas autant d'enfants que de pays que comporte le pays. Fabriquez seulement le nombre d'enfants que vous pouvez supporter, entretenir et éduquer. Car l'éducation de l'enfant aujourd'hui vous transfère. Guérin Maria. Baby.
Leke mi wa ole lon mi ma Leke mi wana mi va grena mi Nyaka mi kona e mi ade lon lon sanako Mopona kaka e wa wana numa Arome kaka be ya kufa Leke mi wana mi va grena mla Nyeta mjibe maso dinye na mede Kenye ma vangwe de bola va grena mode Oh Tam jibe masaji nye na mede Kenye mavongwe de bola bagbe na mode Ode, 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 ode Tam jibe masaji nye na mede Kenye mavongwe de bola bagbe na mode Ode, ode, ode Musa jinye na usogbala Uto una mungu meka kamda jadawa Alo meka kabe ya kufa Nemi sane ya mivase na mla Nyecha mjibe maso jinye na mede Kenye mavongwe debola bagbe na mode Jibe maso jinye na mede Kenye mavongwe de bola bagbe na mode Ode, 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 ode Chamu jibe maso jinye na mede Kenye mavongwe de bola bagbe na mode Ode, 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 ode Chamu jibe maso jinye na mede Il s'en faut que je dis, dans le temps qu'on n'a pas mal Bisous. Perfect.